Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la maladie de Wilson et notamment sa prise en charge. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Olivier Guillot. Docteur Guillot, bonjour. Bonjour. Docteur Guillot, vous êtes hépato-gastro-entérologue, praticien hospitalier attaché au sein du centre de référence maladies rares de la maladie de Wilson à Lyon. Et aujourd'hui, on aborde, on l'a dit, la prise en charge des patients touchés par cette maladie de Wilson. Et pour débuter notre entretien, on va parler des enjeux de cette maladie. Quels sont les enjeux des traitements de la maladie de Wilson ? Il faut savoir que la maladie de Wilson, c'est une des rares maladies génétiques qui bénéficie actuellement d'un traitement. Lors de la description initiale de la maladie par Sir Samuel Alexander Kinyre Wilson en 1912, il s'agissait d'une maladie incurable avec un pronostic effroyable, mais qui a été radicalement changé depuis la moitié du siècle dernier, la découverte de médicaments actifs qui permettent de diminuer le stock global du cuivre dans l'organisme et contrecarrer donc l'accumulation toxique du cuivre. À l'heure actuelle, à condition de prendre ce traitement toute sa vie et de manière quotidienne, le traitement permet d'atténuer les symptômes progressivement, voire de les supprimer s'il a été instauré tôt et que la maladie n'a pas causé de dégâts irréversibles. Le plus souvent, l'amélioration ne va débuter qu'après quelques mois de traitement. Il est difficile de prévoir à l'initiation du traitement quel sera l'effet du traitement sur les symptômes existants. Même après une amélioration initiale, il est primordial d'être très rigoureux quant à la prise du traitement sous peine de voir de nouveaux symptômes apparaître, d'anciens symptômes réapparaître ou s'aggraver brutalement. Pour les personnes qui n'ont pas encore de symptômes, qu'on appelle les patients présymptomatiques, qui ont bénéficié d'un dépistage au cours d'une enquête familiale après le diagnostic chez un proche, il est également très important de prendre de manière régulière le traitement sous peine de développer des complications hépatiques ou neurologiques à moyen ou long terme. La prise régulière du traitement, ce que l'on appelle en termes médicaux l'adhérence, est véritablement la clé de voûte du succès thérapeutique. Cela peut être parfois très contraignant, surtout pour les enfants, les adolescents qui doivent avoir leurs médicaments sur eux à l'école ou bien en vacances. Et puis, parfois, certains traitements peuvent également être responsables d'effets secondaires qui pourraient conduire à moins bien prendre les médicaments. Il est alors indispensable pour les patients de bien signaler ces effets secondaires au médecin qui le prend en charge pour que celui-ci puisse adapter au mieux le traitement, par exemple en changeant de médicament. Et quelles sont les prises en charge spécifiques actuellement disponibles ? On peut séparer les prises en charge spécifiques en deux, avec d'un côté la greffe hépatique et de l'autre les médicaments qui vont permettre d'éliminer le surplus de cuivre accumulé dans l'organisme. La greffe hépatique a un double effet sur la maladie. Elle va permettre de remplacer le foie atteint par la maladie qui ne fonctionne plus à cause des dégâts occasionnés par l'excès de cuivre, mais ça va également permettre de guérir la maladie en corrigeant l'anomalie génétique. Le greffon amenant une protéine ATPase7B fonctionnelle, la protéine du donneur, rétablissant ainsi le métabolisme normal du cuivre et notamment l'élimination du cuivre en excès par voie biliaire. Ce n'est pas une solution miracle car le patient greffé hépatique devra prendre toute sa vie des traitements, notamment immunosuppresseurs, pour éviter le rejet de greffe. La greffe hépatique concerne environ 5% des malades atteints de la maladie de Wilson et est réservée aux formes hépatiques graves. Il s'agit des patients qui vont présenter une forme hépatique sévère d'emblée avec une insuffisance hépatique aiguë lors du diagnostic, que l'on appelle hépatite fulminante, et les patients qui vont présenter une cirrhose hépatique décompensée chez qui le traitement ne va pas être efficace au bout de quelques mois. Enfin, la greffe peut également être discutée au cas par cas chez une infime proportion de malades avec des symptômes neurologiques sévères qui vont s'aggraver malgré le traitement médical bien conduit. Concernant les médicaments spécifiques de la maladie de Wilson, on dispose actuellement de deux grandes familles de traitements, les chélateurs du cuivre et les sels de zinc. Les chélateurs du cuivre vont fixer le cuivre libre toxique et l'éliminer par voie urinaire, tandis que les sels de zinc vont induire l'expression d'une protéine au niveau des cellules intestinales, la métallothionéine, qui va fixer le cuivre et empêcher son absorption digestive. Les chélateurs sont souvent les molécules utilisées en première intention, avec parfois des problèmes de tolérance à long terme qui doivent être surveillés de manière très régulière. Les sels de zinc sont le traitement qui est souvent utilisé en première intention chez les malades présymptomatiques. C'est probablement le traitement moins toxique, mais certains effets secondaires, notamment digestifs, peuvent être gênants et conduire à son remplacement par une autre molécule, notamment un traitement chélateur. Alors, au-delà des traitements spécifiques, quelle prise en charge élargie peut-on recommander pour ces patients ? Donc, tout d'abord, il est conseillé de suivre un régime relativement pauvre en cuivre pour limiter son absorption et donc son accumulation. Le cuivre étant présent dans de très nombreux aliments, il est impossible de restreindre complètement l'apport en cuivre. Et donc, on conseille aux patients essentiellement d'éviter les aliments qui sont riches en cuivre, notamment le foie, les crustacés, le chocolat noir, les noix et le fruit sec. Ce régime pauvre en cuivre est particulièrement important au début de maladie, lorsque la surcharge de l'organisme est importante
Et ensuite, après quelques années, il peut être suivi de façon moins stricte. Il est également conseillé de ne pas boire d'alcool afin de ne pas aggraver l'atteinte hépatique. Et puis, à côté donc de ces règles hygiéno-diététiques, de ce régime, on peut proposer donc certains traitements pour réduire les tremblements, la salivation excessive ou encore les contractions musculaires. Notamment, on peut injecter de la toxine botulique pour essayer de réduire les contractions musculaires qui peuvent être gênantes pour les patients. Enfin, en cas d'atteinte neurologique, on peut recommander des séances de kinésithérapie afin d'aider le malade à conserver ou récupérer ses capacités motrices, ainsi que des séances d'orthophonie afin d'améliorer son élocution. Et cette prise en charge est extrêmement importante. Pour les malades qui ont un handicap moteur important, on peut également recommander des exercices avec un ergothérapeute afin de réapprendre les gestes quotidiens pour retrouver une autonomie et une indépendance. Et ensuite, docteur Guillot, quel suivi proposer aux patients ? Alors, le suivi va dépendre de plusieurs choses, de la forme clinique, du timing par rapport au diagnostic, du type de médicament utilisé. Mais schématiquement, le patient sera vu en consultation régulièrement par un ou plusieurs médecins afin de colliger les différents symptômes neurologiques, leur gravité, l'évolution sous traitement. On va également proposer un suivi biologique qui associe des paramètres de suivi de tolérance et d'efficacité du traitement, comme le suivi de la biologie hépatique, des éléments du bilan cuprique, comme le dosage sanguin du cuivre échangeable et du dosage urinaire de cuivre sur 24 heures. Un suivi morphologique, par exemple une échographie hépatique ou bien une IRM cérébrale. Et puis, on va suivre également des tests évaluant la fibrose hépatique, notamment l'élastométrie. Le suivi idéal, à mon avis, doit faire intervenir plusieurs acteurs, les médecins et personnels soignants des centres de référence ou de compétences de la maladie de Wilson, qui vont amener leur expérience pour la prise en charge de ces patients. Mais également, ce suivi doit s'effectuer en collaboration avec le médecin généraliste, qui connaît bien le patient, les spécialistes qui ont pu être amenés à faire le diagnostic, les pathologues, le neurologue, et enfin les professionnels paramédicaux, le kiné, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, éventuellement le psychologue. Alors, comme pour d'autres maladies rares, il existe un registre de suivi des patients atteints de la maladie de Wilson en France. Quels en sont les objectifs ? Le registre de suivi, ça permet de générer des données fondamentales pour une meilleure compréhension et la prise en charge des patients atteints de la maladie de Wilson. Les données qu'on recueille concernent aussi bien les éléments au moment du diagnostic, notamment permettant de décortiquer les différents symptômes observés lors du diagnostic et éventuellement, avec une meilleure connaissance, de diminuer l'errance diagnostique de certaines formes. Ça permet également de recueillir des données concernant le suivi des patients, avec notamment des données concernant l'efficacité, mais aussi la tolérance des différents médicaments utilisés dont on a parlé auparavant. Enfin, ça permet de générer des données en termes d'évolution de la maladie en renseignant l'évolution des symptômes et d'identifier le risque de complications à long terme dont la fréquence peut être rare, mais lorsque l'on suit un grand nombre de patients, à ce moment-là, on peut voir apparaître ce type d'éléments. Actuellement, il y a un peu plus de 600 patients qui ont accepté de participer au registre français, ce qui représente 2/3 des patients identifiés en France, et ça représente également la plus grande cohorte européenne. Ce registre est extrêmement important. Il a déjà fait l'objet de communications lors de congrès français ou internationaux. Et il a permis également de débuter avec des publications, notamment concernant les données de la cohorte pédiatrique française. Et pour conclure, docteur Guillot, si on fait un peu de prospective, quelles sont les voies de recherche actuelles dans la maladie de Wilson ? Alors, l'activité de recherche autour de la maladie de Wilson est très active. Et je ne vais pas pouvoir vous détailler tous les projets qui sont en cours. Je vais vous donner quelques axes qui me semblent particulièrement importants. Tout d'abord, il y a tout le travail autour de l'étude des registres nationaux et internationaux qui vont permettre de générer des données permettant de mieux comprendre les éléments de diagnostic et de suivi. C'est ce dont on vient juste de parler. Il y a un deuxième axe de recherche important qui consiste à étudier la mécanistique de la maladie. Jusqu'à présent, la recherche d'une corrélation génotype-phénotype, c'est-à-dire la corrélation entre le type de mutation observée et l'expression de la maladie, a été extrêmement décevante. De plus en plus, il devient évident qu'il existe également une pénétrance incomplète de la maladie de Wilson, c'est-à-dire que certaines personnes vont être porteuses de la mutation du gène de la TPA7B à l'état homozygote et pourtant ne développeront jamais la maladie de Wilson, et ça, on ne sait pas pourquoi. Et enfin, de la même manière, au sein d'une même famille, notamment d'une même fratrie, des individus qui sont porteurs de mêmes mutations vont pouvoir développer une forme hépatique, tandis que d'autres, une forme purement neurologique. Et aujourd'hui, on ne sait pas expliquer ces différentes expressions phénotypiques. En ce moment, au sein du CMR Wilson, il y a une étude qui est en cours pour essayer de
mieux appréhender ce problème et peut-être un jour permettre de nous doter d'outils prédictifs vis-à-vis de telle ou telle combinaison de mutations de polymorphisme génétique qui pourrait éventuellement prédire l'évolution et l'expression de la maladie. Et puis enfin, le troisième axe de recherche majeur est représenté par les essais thérapeutiques. Jusqu'à présent, l'utilisation de tel ou tel médicament ou telle ou telle stratégie thérapeutique dans la maladie de Wilson relevait plutôt d'avis d'experts que de la médecine fondée sur les preuves. Les nouveaux traitements susceptibles d'être utilisés pour la maladie de Wilson doivent apporter la preuve d'une efficacité supérieure ou au moins non inférieure par rapport au traitement de référence, et c'est ce qu'on appelle les essais cliniques. Du fait de la rareté de la maladie, avec un faible nombre de nouveaux cas chaque année du côté pléomorphe des formes cliniques, si on veut avoir des résultats rapides, ces essais sont quasi obligatoirement des essais multicentriques internationaux. Et enfin, on peut parler de médicaments sans parler de thérapie génique qui consiste à corriger le gène muté de la TPA7B en le remplaçant par un gène non muté. Cela représente le Graal dans les maladies génétiques monogéniques. Dans la maladie de Wilson, un essai thérapeutique devrait bientôt démarrer. Toutefois, un certain nombre d'obstacles restent à surmonter, aussi bien en termes d'efficacité, mais aussi de tolérance sur long terme. Donc, vous voyez, le panorama de la recherche est extrêmement stimulant pour cette maladie. Eh bien, merci mille fois, Dr Guillot, de nous avoir fait mieux connaître à cette maladie rare qu'est la maladie de Wilson. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.